se jeter à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Bien-aimé, vous-même, vous voyez que on a fait l'adoration tout à l'heure. Je vous ai dit que la main de Dieu va partir, ça va toucher. Vous avez vu, je n'ai pas besoin de me lever pour poser les bons gens et tomber, parce que moi, tomber, ça ne me plaît pas. Donc, Dieu peut se passer en toi. Mais moi, c'est que si on prie, que tu as de la foi, le Seigneur peut transformer ta vie. Tomber à plusieurs phases, de fois d'être guéri, de fois de passer par l'onction, de fois être possédé, de fois pour être dans d'autres dimensions. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est pas très bien de tomber, mais s'il arrive que tu tombes, le Seigneur même avec ses anges vont t'amortir. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui tombe parce que l'onction lui est passée et qu'il a été blessé. Jamais. Quand tu tombes sur la matière de couverture, le Seigneur va te tuer, va te lever sain et sauf. Parce que tu es tombé sous condition. Tu n'es pas tombé parce que cela a été dessiné, mais l'obligation de deux esprits t'a renversé. Et comme Dieu connaît faire des choses, vous allez voir un bébé qui sort dans vos mains pour tomber, ce bébé en tombant, vous allez voir qu'il est amorti. Quand il quitte pour atteindre le sol, c'est comme si le diable va le faire coucher de son. C'est parce que le Seigneur veille sur les enfants. Et si on appelle Jésus comme maître, comment il peut hériter le royaume de Dieu, ce monsieur? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Bien aimé, cette parole, ne regardez pas Jésus. Quand nous sommes enfants de Dieu, on ne se juge pas. Le plus bon, c'est Dieu. Le plus mauvais, c'est toi-même. Alléluia. Amen. Celui qui est le plus mauvais est soi-même. Maintenant, l'autre, c'est un accident. Il peut changer de main. Peut-être ça lui arrive, il ne s'attendait pas. Mais l'homme qui fait sciemment, c'est toi-même. Parce que tu comptes à quelque chose, tu es détenu de quelque chose, tu appartiens à quelque chose, et tu décides de faire aussi quelque chose. Parce que c'est à l'église, vous avez plusieurs églises. Vous avez aussi plusieurs esprits. Plusieurs esprits de mamie Ouattara, vous avez même. Plusieurs esprits de sorciers. Plusieurs esprits de principautés. Il y en a. Mais le mauvais gras et le bon ensemble. Avant qu'au temps opportun, Dieu arrache le mauvais pour que le bon gras prenne en pleurs. Ceci marche ensemble. Donc il y a des questions qu'on dit à quelqu'un. Tu vas pas venir à l'église, tu as arrêté donc encore. Non. Nous tous allons. Un beau jour, Seigneur, pour voir. Alors, bien-aimé, ce mot m'a beaucoup travaillé au niveau de l'enfant. Deuxième endroit, bon maître, comment je peux faire pour hériter le nom de Dieu? Jésus lui demande qui est le bon. Il n'y a pas le bon, le plus bon, c'est Dieu, seul Dieu le Père. Il va te dire aujourd'hui que si tu veux être un enfant de Dieu, accuse-toi. Voilà. Cherche à changer ta vie. Et en ce moment, tu vas comprendre les problèmes des autres. Ce qui nous tue, c'est que nous ne voulons pas comprendre les problèmes des autres. Quand tu vas entendre le problème pour écouter le problème de ton frère, transforme-toi, prends d'abord sa place. Tu vois ce qui le gêne. Si tu vois qu'il est sciemment, parce que l'enfant de Dieu qui ne change pas, un homme, 10 ans, 30 ans, il ne changera plus, il n'est pas un enfant de Dieu, c'est un éducteur. On appelle que ce genre de personnes, les gens à l'esprit piton. Vous connaissez ce qu'on appelle le piton dans la Bible? Les gens aux esprits du serpent. Tu vas le voir, il est ici, il te pique ici. Il croit que tu es avec lui. Ici, là, il dit, il te pique là. Quand on va encore quitter avec elle, il avec elle, il va te piquer là-bas. Tu vas te rendre compte qu'il t'a piqué 10 000 fois. Alors, va te dire, ton ami là. Ton ami que tu marches avec lui là, ta copine là, juste là tu dis il n'y a rien de mal, non, rien de mal. Mais le jour qu'il va te piquer la face, tout. Là tu vas dire là, c'est le moment que j'ai connu aujourd'hui que mon ami est mon adversaire. Alors bien aimé, je voulais qu'on se partage ce que Dieu nous a dit. Il a recommandé qu'on soit comme des petits enfants. Quand les choses arrivent, tu consommes, tu pardonnes et tu continues la route.
Pourquoi Dieu le dit? Parce qu'il va coopérer de plus en plus avec nous. Et si dans nos foyers, nous n'argions pas ces jeunes, Dieu n'entrera jamais chez nous. Si dans la vie de nos enfants, on n'a pas ces jeux, Dieu ne fera jamais entrer dans nos maisons. Si dans l'église, nous n'avons pas ces esprits, Dieu ne fera jamais nous assister. Et si maintenant, nous sommes dans la harmonie et que nous avons des pensées, que quelque part le prophète aussi, il a vraiment, peut-être il a péché, moi je ne veux pas écouter comme l'esprit me dit, tu as sauvé ton âme et l'âme du prophète. Mais si ce que tu considères, ce que tu veux par rapport à ce que le prophète dit, tu verras qu'il y aura la vie à gauche et la vie à droite. En ce moment, il n'y a plus d'harmonie, nous ne pouvons plus marcher ensemble. Moi, j'ai connu des choses que les gens sont dans les familles pour renverser les autres. Tout ce que vous disiez chez vous, il ou elle ramène tout ceci dehors. Et quand ils le font, c'est ce que les Seigneurs regardent au milieu de vous ici. Nous sommes tous visibles. On est charnel. Que quelqu'un va vers l'autre pour lui dire que ce que tu m'as fait ne m'a pas intéressé. Que de prendre les choses familiales alors que tout le monde a sa famille pour l'aller disposer. Et quand cela se pose, je ne connais rien. Je ne connais rien. Lui, il ne connaissait pas, mais Jésus connaît. Il voit et il connaît. Amen. Chaque famille a ses devoirs. Priez, prions pour que Dieu nous donne le succès de vaincre l'ennemi. Amen. Que de ce bébé, elle s'est jetée des pierres. Des fois, tu n'es rien. Tu manges chez moi. C'est moi qui te donne à manger parce que Dieu me donne. Mais toi, tu caches ta part, mais tu es le premier à m'envendre. Tu quittes dans la maison, tu ajoutes ce qui s'est passé, tu transformes, tu crées, tu ajoutes et tu jettes dehors. Maintenant, quand on est mis sur une bille, à corps et à travers, mais il va aller visiter mon enfant, il va aller voir mon enfant, sur le salaire, au lieu de l'homme, il va dire pas rien. Parce que l'homme, il dit que les gens, il n'avait pas non plus, mais après, il n'a pas acheté, il est réveillé, il est tout ça. Mais c'est quoi l'homme? C'est ce que les filles de Dieu me demandaient, mais tout m'a dit, tout m'a pas pour rien, je vous recommande aussi ce qu'on m'a demandé. Vous ne pouvez pas parler d'autre chose, rien que la vie de vos frères et sœurs. Vous ne pouvez pas demander, vous ne pouvez pas rester tranquille, la vie de vos familles, de vivre à tout culte, parce que vous savez que le feu de sang déjà dans les églises. Ça t'a oui, ma oui, mais tu vois, oui, ma oui, on est là, on a là. Et donc, tu vois, une tête de carotte, arrive l'autre. On a un carton. On a été dans le séminaire. Marboa, Anda. Parce que vous ne voulez pas une délivrance. Vous voulez seulement la dévotion. Nous devons être des hommes de valeur. Moi, je m'étonne. Il y a plusieurs personnes de Dieu qui me contournent. Si tu me trouves en colère avec l'un des enfants de Dieu ici, tu me demandes un homme de Dieu, il y a quoi? Il veut me dire que tel m'énerve. Je ne marche pas mes mots, je dis comme ça, tel m'énerve. Et quand il m'énerve là, quand ça serait comme ça, ne m'appelez pas, parce que Dieu nous dit tous les jours de change. Et donc je te dis, la personne aussi, en passant, est au courant, parce que je veux lui dire la même chose. Je ne sais pas quel père qui peut faire le commencer avec ses enfants pour qu'ils se détruisent. Comment alors tu es une membre de famille, une partie de la famille, un membre de la famille, une partie de la famille? Tu te lèves pour ton gosse, pour détruire encore toi-même. Vous vous levez pour détruire l'œuvre. Moyen, c'est un des âmes. Vous vous gâtez, vous déguisez. Alors aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il a l'énorme joie par rapport à la recommandation faite et qui a été obéie. Et il est alors étonné qu'il va faire des grandes choses avec l'équipe. Le peuple que lui, il croyait que c'était un peuple pacifique, c'est ce peuple qui devient rebelle. Et à la fois, nous prions à la maison. On veut que Dieu nous bénisse. Mais quand le mari sort pour aller au travail, c'est la guerre qui commence. Mais vous venez de prier à 5 heures. Dieu voit notre vie, partage. Mais à cause des 500 du savon, on va laver, laisser les assiettes. Quand on dit que je n'ai pas sur mon transport,
ça se garde, la prière de 5 heures, c'est gâté. Va manger avec ton argent, avec le qui tu vas manger, c'est comme ça que vous êtes. Les qui ont prié à 5 heures, que Dieu leur bénisse. C'est vous. Les qui, à cause de 500 sortes de fausses paroles, c'est vous. Et Dieu va faire comment? Il va écouter qui? Et c'est qui? Et comme les mandations de bouffe, est-ce qu'il va vraiment nous écouter? Est-ce qu'il va vraiment nous donner ce qu'on fait? Bien-aimés, il nous recommande d'être les amoureux, les orphelins, les veuves, les petits-enfants, les affligés, les gens qui sont dans des problèmes. Je voulais rassurer aux gens qui craignent Dieu que le Seigneur m'envoie vous dire de quelle qu'en soit ta position dans ta famille, dans ta maison, en toi-même, le Seigneur en cette année va te rendre le Seigneur. Quelle qu'en soit ce que les gens diront en cette année-ci, si tu continues avec l'idée, le Seigneur te rendra visible. Et quand il va te rendre visible, je sais que plusieurs vont courir ici pour me dire, homme de Dieu, j'ai vu un miracle. Je sais que plusieurs vont presser la semaine que dimanche arrive pour venir dire au frère de Dieu que cet homme est fort. Je sais que plusieurs vont ramasser des téléphones pour appeler les autres que là, vous voyez là, ça a changé. Ce n'est plus comme vous croyez, mais ne cherchez plus là-bas. J'ai des longtemps déménagé. Je crois en Dieu tout-puissant, il ne ment jamais, mais il dit toujours la vérité. Amen. Alors, bien aimé, notre conclusion, c'est quoi? Que nous soyons transformés. Amen. Et maman, tiens, et vous voyez d'abord comment? Et vous avez terminé d'abord comment? Mon avocat, il m'aura beau bien fait. Ceci est là, mais wow. Amen. On a tellement raison de suivre, à ce qu'on dit, quand on dit, non, on dit, hein. Et moi, la mère, vraiment, au pays d'en faire, il faut y aller, 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 ma neveu Kayan, elle dit, arrête le canard, et t'en as soumis dans le journal, et prends la micro. Assou, il est pas utile de rien, il ne voit pas ça en bruit, et là, il trouve la première carte. L'année, c'est l'année de la démence. C'est l'année que le Seigneur va penser à son peuple. Et si tu es dedans, ta vie a changé. Amen. Si tu n'es pas dedans, cherche à être dedans. Bien aimé, que Dieu vous bénisse. Amen.